Hey, salut tout le monde, bienvenue chez Rick Jouculture, aujourd'hui dans cette nouvel épisode de King of Retail. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez laisser un petit commentaire avec votre nom pour que je puisse ajouter votre nom dans le jeu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté Florian juste ici dans Personnel YouTube. Florian Asuncao ou Asuncao, je sais pas comment le prononcer, mais bon, le voici. J'ai fait un petit peu aléatoirement là, pour type de visage, cheveux, tout ça, les yeux, tout ça. J'ai fait random. Et j'ai également des personnages de mon live qui sont là. Donc twitch.tv/RickJouQtré bien sûr. Donc ça c'est des gens sur mon live. Donc et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement continuer notre partie où elle était la dernière fois. Donc, après avoir bien sûr suivi le cours à l'université. Que je me rappelle plus trop. Mais bon. S'il y a quelque chose, j'imagine que vous allez me le dire. Encore il va, c'est parti. Bon. Travailler pour le poste. Plusieurs magasins de la ville ont besoin de gérants. Vous pouvez postuler pour un emploi dans ces magasins et gagner de l'argent. Les contrats disponibles sont indiqués avec un marqueur violet. Ouais, c'est bon, mais j'ai déjà mon magasin d'autres. Trouver une compagnie. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit par vous-même, vous devrez enregistrer officiellement votre entreprise. C'est déjà fait. Obtenez votre siège, c'est déjà fait. Peut-être qu'il faut que je les visite pour que ça puisse se cocher. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais retourner voir mes finances. Il me semble qu'on était un peu dans le rouge. Ok, ça c'est juste notre... Ça coûtait combien? 7 pour déverrouiller ça. Parfait. Et puis, nos chemises agriculteurs... Chemise. Et puis nos clients, c'est dur à dire, le graphique est très très petit. Mais bon, donc on verse 35% de nos profits à la compagnie, parfait. Le Rico Mart, ça c'est good. Et puis j'ai mon employé ici. Qui est Mary de Robbins. Il est en train de travailler durement. C'est notre manager responsable marketing, parfait. Quand il fait de la pub. Good, good, good. C'est ici, je crois, les finances, right? Okay. J'étais à moins 1016. C'est pas si mal. Mais bon, j'espère qu'on... On fera pas faillite rapidement. Et voilà. Bon, ça s'est pas coché, donc... bon, ben, je vais ignorer celui-là de bord. Et on va simplement aller au magasin... Rico Mart. Let's go. Ok. Bon, je crois qu'on ouvrait un petit peu plus tard, si je me rappelle bien. Ça fait un petit bout là, que j'ai pas continué ma campagne. Donc, si je suis capable, je vais essayer de vous envoyer deux vidéos par semaine. Sinon, ça va être encore une. Donc, je crois que vous aimez ça, là, pour l'instant, une vidéo par semaine. Semble avoir au moins une vingtaine de vues par vidéo, minimum. Donc, c'est bien. Pour un petit channel comme le mien, une vingtaine de vues, c'est bon. Donc, et voilà. J'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant la petite campagne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, vous abonner si c'est pas fait. Car encore une fois, vous êtes environ 80% à écouter mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Mais si vraiment vous aimez, abonnez-vous. C'est vraiment cool dans ce temps-là. Puis, ça me fait plaisir, bien sûr. Et puis, mon but ultime de cette année, c'est peut-être me rendre à 1000 abonnés, si possible. On est actuellement à 830, 829 environ. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis ça me fait plaisir. Puis ça, en même temps, si vous appuyez sur la petite clochette, vous allez toujours savoir dans vos petites notifications YouTube lorsque mes vidéos sont en ligne. Donc, gênez-vous pas, c'est là pour ça. Donc, et voilà, c'était ma petite pub au début de la vidéo. Malheureusement, je suis obligé de la faire parce que... Si je le fais pas, ben ça marchera pas, donc... et voilà. Donc, on a vu dans le cours que si on met des chandails en particulier, des items en particulier, dans les fenêtres, c'est ça qui va se vendre plus. Donc, je vais vérifier qu'est-ce qui coûte le plus cher, puis on va essayer de mettre ça dans les fenêtres. Bonne stratégie, non? Donc, je vais juste vérifier. Ça doit être ces chemises-là. 30... 20, 25, oh 50, les mauves, ok,
Je vais mettre les mauves. J'aurai pas le temps, hein? Non, ça va à la caisse. Ok, je vais mettre ça tantôt. Et voilà. Donc, je vais mettre ceux-là ici. Pour la chemise mauve. On va juste enlever ce qu'il y a actuellement dessus. On va aller à la caisse tout de suite après. À moins que j'ai un caissier qui s'en vienne. Ouais, j'ai un caissier qui s'en vient dans pas long. J'arrive, monsieur, ce sera pas long. Oui, monsieur. Je vais juste redécorer le tout. Et voilà. Donc, je vais afficher. Chemise mauve qui est. J'en ai mis un petit peu trop vite, je crois. Celui-là ici. Parfait. Mon caissier arrive. Go, 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 go. J'ai des clients. Let's go. Let's go, ici. Ouais, ouais, ouais. Messieurs, dames, il arrive, il arrive. Parfait. Donc, on a celui-là. Puis, je vais mettre celle-ci. Ou peut-être, ouais, les chandails rouges, comme ça, ça se vend bien. Donc, on va mettre les chandails rouges. En fait, les vestes. Les vestes de jockey. Rouge. Donc, les vestes, celles-là ici. Et voilà. Et voilà. Good. Puis j'ai ma livraison qui arrive. J'ai ma vendeuse qui va s'occuper de notre client. Parfait. On va déballer le tout. Oh, je crois qu'on a reçu nos nouveaux chandails. Parfait, parfait. Chandail de sport blanc. Oh, j'ai mon. C'est vrai, j'ai mon gars qui s'occupe de ça. Parfait. Dans ce cas-là, je vais juste placer les chandails blancs ici de sport que je viens de recevoir, blanc et noir. On va juste placer ça ici. Comme ça. Et voilà. Et puis, je vais vérifier pour le prix, c'était combien. Donc, ça, on les paie 10 à 24. On les vend 29 à 40. Donc, pas beaucoup de luxure. Ok. Faudrait que je me rappelle c'est quoi exactement. Les trucs, par cœur, je m'en rappelle plus. Peut-être qu'on peut le voir ici. Ici. Ah, vous voyez, quand je survole maintenant, on peut voir. Donc, j'en ai 11 d'accrochés. On est 0 en inventaire, 0 en livraison. On les vend 50, on les paie 21,76. Parfait. Je vais vérifier ça ici. Ok. Je vais canceller ça. Je vais voir en même temps c'est quoi que je vends. Et je vais essayer d'aller convaincre les gens dehors pendant ce temps-là. La vendeuse va s'occuper du reste. Et j'ai mon responsable de l'inventaire qui va s'occuper de la job que j'étais en train de faire avant qu'il arrive. Donc c'est parfait. On est en business, guys. Bon, il y a ces clients qui veulent des informations. Pas vraiment. Ça va bien. On a beaucoup de clients. Je vais continuer à accélérer le temps un peu. Je vais attendre que quelqu'un tombe en pause pour prendre la place. Donc on a notre vendeuse qui est partie en pause. Je vais m'occuper de madame ici. Chemise. Désespérément besoin. Parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va essayer de monter un petit peu son besoin. Parfait. Oui, monsieur, bonjour. Vous regardiez ça ici, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Oui, parfait. J'ai eu de la misère à dire cette phrase, désolé, monsieur. Je me suis levé tôt ce matin, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Donc, j'étais un petit peu dans la lune aujourd'hui, désolé. Ça arrive à tous, effectivement, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Et voilà. Bonjour, madame. Vous voulez ce chandail? Bonne idée, parfait. Augmenter le hype. Comme ça. J'ai des gens à la caisse. J'essaie de la convaincre, elle. C'est raté. Et merde.
Parfait, 100$! Et voilà. Ma vendeuse est revenue, parfait. Il y a juste mon caissier qui est parti en... en break, parfait, parfait, parfait. Let's go. Est-ce qu'on va arriver à 11 000 aujourd'hui? Actuellement 16h50. In-game. Est-ce qu'on a réussi à vendre un petit peu de... On a vendu 7, 13 ici. Parfait, ça. C'est parfait. Si j'avais plusieurs fenêtres, je pourrais mettre plus d'articles. Mais bon. On va laisser ça comme ça. Je vais... enlever la réduction, je crois. Je vais mettre 0. 0. Ok. Je peux-tu juste l'enlever? Ok, parfait. Et puis, je vais commencer à mettre peut-être des petites affiches. Comment on faisait déjà pour faire ça? C'est les articles. Non, c'est pas ça. Excuse me. Conception. Affiche. Ma vendeuse est là, ok, parfait. Thank you. Texte rapide, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Chandail! Ça change rien, hein. On va marquer sport. Je fais ça, ça fait rien. Okay. Mode. Article. Qualité. Prix. C'est pas vraiment une affiche que je voudrais mettre, mais bon. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Je m'arrangerai pour faire des meilleures affiches, des plus belles affiches. À moins que je commence tout de suite, on a le temps. Nos employés sont... j'ai mon caissier, je m'envoie. Moi, wow, on a le temps, on a le temps. On va essayer de se faire une petite affiche meilleure que ça, là, quand même. Donc, je vais aller en mode création, éditeur. Est-ce qu'on veut le format? Je crois que c'est celui-là. Je crois. Pas certain, mais je crois que c'est celui-là. Tiens. Excuse me. Chandail sport A1. Croyez-vous que ça va fonctionner? Thank you. Et comment je fais pour changer la grosseur du texte? Comme ça? Ok. Je vais changer la couleur par contre. Je vais y aller dans le noir. Comme ça, je vais ajouter un autre texte. Celui-là. Celui-là, on va le mettre rouge. On va écrire A1. Tiens, si je vais comme ça. Un nice ball A1. Excuse me. Bonjour monsieur. Oui. On va augmenter votre besoin. Hey, have a minute. Augmenter votre bonheur. Parfait. Vente facile. Ah, en plus, il était difficile. Cette chemise, madame? Oui, c'est parfait. Parfait. Augmenter la hype de l'article. Tiens. Ah, mon caissier est parti. Parfait, je m'occupe de ça. Oh, 11 292, let's go! Ça va bien, guys. Je vais vérifier les ventes
après la journée, voir qu'est-ce qu'on a vendu le plus. Et on va essayer d'ajuster les prix par la suite. Je pourrais faire d'autres affiches, bien sûr. Bon, c'est pas les plus belles pour l'instant, mais ça fait la job. Donc c'est fermé, c'est bon. Tu peux y aller, Eric. Merci pour ton travail, très belle journée. Parfait. Good, good, good. On est parti. Ok, première petite journée de fait, et voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a Hussien qui a gagné un point d'expérience, on va aller voir ça. Oh, c'est un master caissier, mesdames et messieurs. Il y a même un point supplémentaire ici qu'on pourrait utiliser, mais qu'on peut pas. C'est simple comme ça. Un jour de congé, parfait. J'ai pas de courriel, donc le bonheur semble bon. J'ai pas trop d'optimisme, humeur. Ok, ça a l'air bien. L'énergie est bonne aussi. En termes de profit... Plus de trésorerie, fonds attendus, 10 493, bénéfices projetés, 650, yes sir, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. En termes de publicité, on pourrait peut-être en faire d'autres. Je vais aller retourner voir... Ah c'est vrai, ils ont changé un petit peu l'ordinateur, j'ai pas remarqué. Ils ont changé des trucs, mais on le voit pas. Là. Bon, en tout cas, on sait pas trop. Commande. Qu'est-ce qu'on a vendu de bon? On a vendu beaucoup de ça ici. Parfait, ça. Je vais ajouter le stockage minimum. Commande est passée. Parfait. Puis je vais retourner dans mon... Ça ici, je vais vérifier si j'avais ajouté les... Ouais, chandelles de sport sont là. Parfait. Je vais aller voir ma synthèse pour aujourd'hui. Vente. Donc ça ici, ça se vend très bien. Unité vendue, je devrais classer. Oui, parfait. Donc. Ça, j'en vends pas beaucoup. C'est un petit peu cher, j'avoue. Si je le vends en 15. Mettons 17. Wow, wow, pas 170, on se calme. Parfait. Ça ici, j'en vends pas beaucoup non plus. Si je vends ça 25. Celui-là, on va le réduire aussi. Ça se vend. Ça se vend aussi. Parfait. Je vais aller voir mon stock ici. Ça, j'en vends vraiment pas beaucoup. On va y aller pour le 10$ pour les chandails simples. Même, je vous dirais, 8,50$ là. 8,50$ pour les t-shirts. Ben ordinaire. Ça va être cool. Ça ici, c'est des chandails sport qu'on ne vend pas vraiment. Je vais mettre ça à 23,50. J'ai dit 23,50. Parfait. Je vais faire le tour encore. Voir ici des chandails bleus. Je vais mettre ça 12,50. Mettre ça un petit peu under le 50%, c'est correct. On fait des tests, guys. Chandail avec un... Team Edgar avec un cochon. Je mets ça, je vais mettre ça 13,50. Ça c'est bon, parfait. Et puis. Ok. Ça c'est beau. Ok. Juste revérifier ici. C'est. Qualité, mode, luxe. Information sur les statistiques. Là. Statistiques, là? Statistiques de l'article. Ok. Donc, j'ai beaucoup d'agriculteurs, je crois. Eux, je crois que c'est plus la qualité qu'ils veulent. J'allais voir ma... sur la synthèse. C'est statistique, je crois. Beaucoup d'agriculteurs. Il n'avait pas ce que je suis venu chercher. Ah ben là. Ok.
Donc les agriculteurs. Mode faible, richesse faible. Mais c'est quoi qu'aiment les agriculteurs? La qualité, la mode ou le luxe? Où c'est que je peux voir ça? On va y aller avec chasseur de prix. Quatre jours. C'est chasseur de prix. Et on a également le 8 sim qu'on a déjà une pub. Parfait. On va y aller comme ça. Ok, on a descendu un petit peu, c'est normal. Bénéfice 189 et 97. On va aller au magasin. Et c'est parti. Donc, on a quelqu'un en congé aujourd'hui. Je vérifie s'il y avait du stock en plus. En surplus, en fait, dans l'entrepôt. Semble pas. Good. Bon. Je vais aller avec ça ici. On veut ce format-là. On veut ajouter. On peut changer la forme. Ah, le motif, et voilà. Ah, on peut faire des backgrounds avec ça, là. Juste que ça soit un petit peu plus. Couleur, 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 ouais, comme ça, là. Quelque chose du genre. Oups. Ouais, comme ça. Parfait. Là, pour le background, on va régler par la suite, là. On va y aller dans les couleurs enregistrées. Pas pour le texte, pour la forme. C'est pas très beau. Oh, j'ai un client. Je vais juste le sauvegarder pour l'instant. Oui, madame. Madame la comptable, je crois. Ça, c'est une écologiste. Il nous manque de farmers, là. Il nous faut des farmers. On fait de la pub pour les farmers. Ah, dans une. Le techie. Et voilà. J'ai mon caissier qui arrive. Parfait. Je vais pouvoir continuer ma petite affiche. Donc, affiche éditeur. Je vais aller chercher mon affiche ici. Je vais changer le texte. On peut-tu faire un enter? Non, pas vraiment. Hein? Non, on peut pas. Ok. On va. Ça. Supérieur à bas prix. Ok. Tiens. Chemise supérieure à bas prix. Même chose ici. On était dans quoi? Ah merde. Ok, faut que j'en fasse une. Je peux faire ça? Oh! Ça avait lagué. Allô? Ok, c'est bon.
Rien. 99,99. Wow. Je vais mettre ça pour l'instant juste pour qu'il y ait quelque chose. Chandail sport. Est-ce que j'avais d'autres chandail sport? Pas vraiment. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre que j'ai en double? Les t-shirts, au pire. T-shirt, je pourrais faire une affiche pour les t-shirts. On va aller s'amuser. Donc, même chose, je vais ajouter une forme. On va y aller avec t-shirt, on pourrait prendre ça. La couleur est vraiment mauvaise, par contre. On va y aller avec quelque chose du genre. J'ai aucune idée de ce que je fais en passant, là. On y va au pif. Comme on dit, en bon québécois. Que je peux mettre un... Ah, je peux pas mettre un... Une espèce de background. Ça, c'est plus techy. Si je vais dans le bleu foncé, non, c'est mauvais ça. Je suis obligé d'y aller peut-être dans le noir. Ah, dans le noir, c'est pas si mal. Si je pouvais mettre un contour sur le texte, ça serait bien. Parce que là, je suis obligé de mettre ça blanc pour que ça ressorte un petit peu plus. Ben, c'est bien à date. Le chandail sport A1, c'est bien. Ça commence à ressembler un petit peu plus à un magasin. Est-ce que... Est-ce que je suis obligé de mettre un type? C'est ça que je me demande. Pour que ça fonctionne. Je sais pas. On va y aller comme ça pour l'instant. Mon caissier est en pause. Il est quelle heure là? Il revient dans une demi-heure. Donc, je vais attendre un peu avant de faire. Ça, c'est des. Chandail manche longue. On pourrait appeler ça. Des poules. Excuse me. Des poules, je crois qu'on dit. P-U-L-L. Ici, ça serait plus t-shirt à bas prix, mais malheureusement, j'ai pas d'affiche avec ce format-là. Faudrait que j'en fasse une autre pour t-shirt à bas prix, mais pour ça ici, puis chemise ici. Donc, il y a sûrement moyen de faire un copier-coller du design, puis le mettre sur un autre format, I guess. Mais bon, je vais faire l'épaule. On va aller pour un autre sorte de background weird. C'est des poules? Il me semble que c'est ça. Je suis pas certain. Je vais le sauvegarder, là. Je vais aller voir sur internet comment ça s'appelle pour vrai. Bon! Fait que je viens d'aller voir sur Amazon, c'est vraiment des poules. Des poules! Donc c'est parfait. Je vais charger notre affiche. Je l'ai édité un petit peu. Ah, c'est un petit peu trop design à mon goût. Toujours à bas prix. Oh oh. Quelqu'un qui est pas content. Oups. Peut-être réduire un petit peu ça. Là. Bon, on va y aller comme ça, tiens. Ah, ça sort mieux ici que dans l'éditeur. Parfait, parfait. On aime ça. On en a un autre ici. Je
puis l'autre est juste à côté. Hey, have a minute. Oui, madame. Je pourrais y jeter un œil. Bon. On va essayer de monter un petit peu de bonheur. Ça devrait être bon, ça? Thanks. Ça fait plaisir, madame. Enjoy. Oh, on a vendu beaucoup de ça ici, là. Nice! Bon! Là, il me manquerait une affiche pour le t-shirt ici, puis une affiche pour les chemises, et puis une affiche pour les... cardigan? Ben, on pourrait appeler ça une veste. Ou un veste, peut-être. Oui, madame. Oui. Let's go, j'ai plein de clients. Yeah. Alright, c'est réussi. Bon. Reste plus client, parfait. Bye, là. Et voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a Darcy, qui a fait un point d'expérience, parfait. Oh, il va falloir l'envoyer à l'université. Je viens de l'inscrire. Et voilà. Et puis, on a... ok, cours, jour de congé, tout le monde est heureux. On a un courriel. Parfait, on va aller voir ça. Augmentation pour Darcy. Parfait, on va aller voir ça. On va par contre faire notre commande tout de suite. 734$, ouf! Ok. Darcy! Combien tu gagnes? 11,53$? Ah, tu mérites mieux, tu mérites mieux. $15,89, ça te fait-tu? Ouais, pas le meilleur salaire, pour être honnête, c'est bien quand même. Parfait. Au moins, être heureuse. Le petit émoticône était vert, c'est parfait. Je vais vérifier ma pub si elle fonctionne bien. Elle a disparu? Non, c'est celle-là, je crois. Ah, c'est spécial. J'avais mis chasseur de prix, pourtant. Bon. Ben, coudonc. C'est parti. Oh! Level up! Yes sir, yes sir! Oh yes! On a un point disponible! Nice! J'allais à la ville, dans ce cas-là. Puis on va aller acheter un point. Pour avoir une encore meilleure réputation pour les chandails. Ça va être en haut. Donc ici... Autre réputation. Let's go, bébé. Yes, sir. Bon. Ça, c'est fait. Donc là, on commence à être... quand même populaire, là. Donc, on a encore des contrats disponibles ici. Dans le Monsieur Cyborg deux fois. Faudrait que j'engage, par contre, un gérant si je veux laisser mon magasin rouler toute seule. Mais pour l'instant, on va encore continuer à le faire nous-mêmes. Et puis, c'est ce qui va mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire le petit bouton j'aime, vous abonner si ce n'est pas fait. Laissez un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Et nous, on se voit dans le prochain épisode. Bye bye!